Bonjour, la team Vite Cuisine, nous sommes tous les deux avec Santam, nous sommes tous les deux avec Santam, nous sommes souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Nous faisons que nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux avec année retande année bégué la xoli fiir lu way yotu mu jot ci wa ba tax ni tay mom dañuy ñew défar mini hamburger mini pizza des bout bout défar hot dog aussi bu ci xajé ñu dal di ko défar ba tax ni pour faire nos mini pizza et nos mini burger on aura besoin de la farine, j'aurai besoin aussi de l'huile, un peu de sucre, du sel. Il y a aussi des œufs. Là, j'ai départagé le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. Moi, je vais utiliser le blanc d'œuf. Et le jaune d'œuf, c'est pour badigeonner. Et sans plus tarder, on va commencer. Maintenant, je vais mettre du lait. J'ai oublié de vous présenter du lait. C'est du lait tiède aussi. Je mets mon lait tiède. De l'huile, c'est l'huile de tournesol. Si vous avez aussi de l'huile d'olive, on peut utiliser. Je mets mon blanc d'œuf, du sucre. Je rajoute à peu près une cuillère de sel, de la levure boulangère. Maintenant, je fais le mélange. Là, j'ai fini de pétrir ma pâte. Je vais laisser reposer pendant une heure. Voilà. Je vais couvrir avec un morceau et je laisse reposer pendant une heure. Voilà, vous avez vu, la pâte a doublé de volume. Maintenant, on va commencer à faire les mini pizzas, les mini burgers, les mini bout-bout et ainsi de suite. Maintenant, je vais séparer la pâte en quatre parties. Ensuite, je vais faire des mini boules. Voilà, les gigis n'gen. Nous avons mis des boules pour faire nos mini burgers. Et ça, c'est aussi pour faire nos mini hot dogs. Vous avez vu, c'est pas pareil la forme. Maintenant, on va badigeonner avec du jaune d'œuf. J'ai rajouté un peu de lait. Ensuite, je mets des graines de sésame. Après, je le mets au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Et voilà. Voilà mes mini burgers. Ouh, c'est bien doré, hein? En plus, ça... C'est cuit à l'intérieur. Très joli. Maintenant, on va préparer la pâte pour les mini bout-bout. Là, j'ai la farine, de la semoule. C'est la semoule très fine. Moi, semoule boussaobi. Une laitette, un peu d'huile, un peu de sucre, de la levure boulangère et du sel. Maintenant, on va faire tout le mélange de ça. Je rajoute du sucre, je mets du sel,
de la levure blanchère. Ensuite, je rajoute de l'huile. Du lait tiède. Et je vais pétrir la farine. Balégui, pâte de parena aussi. Là aussi, j'ai fini de pétrir la pâte pour les mini boutboutes. Ok, guys, les deux niveaux de force nous font boutboutes. Voilà, même les niveaux de forme, guys, les deux niveaux de sap. Les deux niveaux de ma date de pas sap tu poil. Voilà, vous avez vu, chicken, c'est cuit à la poêle. On va commencer à faire les mini pizzas. On a déjà fait nos cercles de mini pizzas. Là, on va commencer à faire la garniture. Vous avez vu la taille, la fille est très mouvementée. Comme la fin d'année, elle est partout. Vous avez vu la fin d'année, elle est partout. Vous avez vu la fin d'année, vous comprenez. Vous avez vu cet événement. C'est le 31 décembre. Fin d'année, nouvel an. Je vais venir faire des trous pour vous gagner. Pour la garniture, moi j'utilise la sauce bolognaise, des olives noires et du fromage râpé. Si vous avez aussi la sauce tomate, vous pouvez l'utiliser. Ensuite, je mets du fromage. Voilà, là on a fini de mettre la garniture. On va aussi les mettre au four à 180 pendant 15 minutes. Maintenant, on va préparer la garniture pour faire nos mini boutboutes. Je mets un peu de sel. Là, je vais rajouter du nokos. Maintenant, je vais rajouter de la crème fraîche épaisse. Et je vais laisser mijoter. Je vais laisser mijoter tout. Là, je vais faire des mini croissants avec du fromage et du jambon. Voilà, là j'ai mis un peu de persil haché, du persil séché du moins. Pour le fromage, si vous avez le fromage de chèvre aussi, vous pouvez l'utiliser. Maintenant, je vais badigeonner du moins. Sur chaque croissant, je badigeonne. Voilà, vous avez vu, j'ai déposé chaque morceau de jambon. Maintenant, je vais rouler mes croissants. Voilà, là, on va faire une autre façon avec les feuilles de tortilla. On va juste prendre la garniture pour les bouboutes. Ensuite, après, on met du fromage râpé et on le met au four à 180 degrés pendant 15 minutes aussi. Bamboki, Watim Vitef Cuisine. Sur nos table fin d'année 2022, Vitef Cuisine, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2023. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Nous sommes mu nek at bi nga xamantene atu mbettel la atu contentement comme niko sénégalais di waxé atu banex atu rétane voilà lepp li nga xamantene nit ki dund nga ko ci 2022 bi ñu ñaan da nga dund le contraire manam nga bo dundé lu négatif yalla may la nga dund lu positif lepp li nga xamantene nit kan koy ci yëngu yalla nako ci yalla may mu nek at bi nga xamantene atu
at wergu yaram la ma len di ñaan tamit yeen samay abonné comme nimu len kay waxé rek bëgg na 2023 bi mu gëna xat lolay ñaan yalla ngeen continuer di abonné di ñaanal Vitef Cuisine nak mu doon entreprise bu maga mag di len di souhaiter une bonne heureuse année di len di ñaanal jamm sama njabot mi team Vitef Cuisine sama famille aussi gëreem na ay abonnéam rawati na sama borom kër monsieur Mendy koku mom awma dara luma kay wax lolu diko sant diko gëreem